fish. Ah non, oui, c'est vrai, tu as raison. Salut, jour numéro 12. Bon. Ah oui, c'est mieux. Jour numéro 12, c'est dimanche, je me suis habillée, dis donc. Alors qu'en général, je suis en pyjama. Bon, ben du coup, on va lire la carte. Je vous dis pas la gueule du cadeau, hein. C'est comme ça. Céline a dit, c'est pas parce qu'il est très petit qu'il est nul. J'espère qu'il est pas aussi nul que sa taille. Attends, j'ai les fesses qui grattent. Pourquoi ça me gratte sur la fesse, là? Il y a des morpions dans ton tapis, ouais, je vois. Quoi? Oui, j'ai une étiquette parce que cet ensemble vient de ma boutique tisha.fr. Petite pub. Ça brûle. Qu'est-ce que c'est, ça, qui brûle? Des piments. Je fais l'ASMR comme d'hab. Hein. Ça, c'est un rouge à lèvres. Et ça, c'est un rouge à lèvres. Ça, c'est un truc fancy, ça. Ça, c'est une boîte fancy, ça. Et ça, c'est le rouge à lèvres d'Ab Beauty. Ou alors le gloss Urban Decay, là, qui te fait les lèvres. Non, tu l'as déjà. Ah, non. Elle l'a déjà, elle ne sait même pas, c'est pas. Ça, c'est Too Faced. Celui qui fait wouh. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors ça déjà c'est un gloss. Ça c'est un truc fancy, ça. Peut-être un highlighter ou un fard à joues. J'ai reconnu la boîte. Qu'est-ce que je suis forte. Fenty. Un rouge à lèvres. Il est beau, il a l'air beau. Ah ouais. Rouge à lèvres Fenty. Vas-y, mets-le voir, vu que t'as rien. Ah non, le mets pas. Pourquoi? Là, tu montes là, ça. Oui, ça va, il est joli. Il fait gloss mais rouge à lèvres en même temps. Ouais, estompe-le un peu. Si, ça va, il est beau. Et là, c'est... Du coup, toi, t'aimes pas trop les glosses, hein? Pourquoi Hot Shot? Ça pique. C'est un truc, j'ai vu sur TikTok et tout, apparemment, il brûle sa mère et il gonfle. Ah, on va voir. Vas-y, tu vas nous faire le crash test. Par contre, je sais que les chances, c'est que maintenant, ça va être rouge. Voilà. Alors? Attendez. On va attendre. Ça pique ou pas? Attends, pas encore. Essaye-le. Vas-y, essaye-le. T'as mis ton rouge à lèvres? Libreuse, brillant à lèvres. Est-ce que j'ai la bouche qui gonfle? Ultra Pumping Gloss, il s'appelle. Hein. Oui, ça commence à piquer. Vas-y, mets-le, ça commence à piquer. Ça commence à piquer, les enfants. Oui. Ah oui, ça commence. En plus, j'en ai pas acheté un parce que je me suis dit, j'attends de voir s'il est bien sur ça. Comment... Oh, toi, t'as déjà tes grosses lèvres, toi. S'il est bien, je vais l'acheter. Moi, j'ai des lèvres. Moi, j'ai des lèvres, elles sont bouffées par le nez, presque. Ah, mais ça pique direct. Elle me dit, ça commence à piquer une heure après. Non, moi, ça pique que maintenant. Est-ce que ma bouche, elle a gonflé? Oui, je te jure un peu. Ça pique, hein? Ça pique, ouais. Non, j'ai une grosse bouche. Pourquoi tu les mets jamais, les trucs comme ça? C'est vrai. Ah, ouais, ça pique. Ouais, ça pique. Je reste la bouche comme ça. Ça pique. Ça pique? Ouais. J'aurais jamais du piment sur l'air. Je peux plus rigoler. Bientôt, les babines vont dépasser les sourcils. Ils tiennent pas les miennes. Les miennes, déjà, pour les gens qui dépassent de grande beauté, ça sera déjà bien. Ah, ça pique. Il pique, hein? Ouais, ça pique. Il a l'air bien. Ouais, je vous en redirai des nouvelles demain. Attends, montre-leur la marque. Je vous dirai demain si vraiment j'avais des réponses. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté chez Normal. Ouais. J'ai goûté, Normal. Je te jure. Ça vous dit rien? Normal qui m'a arnaqué. Je l'ai payé. Essayé non, mais non, je viens de l'ouvrir. Ah. Je l'ai payé, je crois, 7 euros, un truc comme ça. Ouais, ça pique. Voilà. Si jamais vous voulez ça, rond, il se trouve. Il pique. Ça sent le piquant, non? Quoi à voir. Bon, allez, à demain.